Qu'est-ce que c'était, Blaze? Je ne sais pas, mais quelque chose vient de me mettre un coup dans mon pare-choc. C'est un camion bélier. Nom d'une durite, ces camions béliers sont partout. Et ils ne veulent pas du tout qu'on roule sur leur montagne. Regarde, celui-là vient de se cacher à nouveau derrière un très gros rocher. Et celui-là aussi. Les camions béliers sont tellement gros qu'ils doivent se cacher derrière les plus gros rochers. Alors pour pouvoir leur échapper, il faut qu'on se tienne éloigné des plus gros rochers. Attention, il y a des rochers devant nous. Lequel est le plus gros? Celui-là, oui. On va rouler le plus loin possible. Ouf, on avait raison. Il y avait bien un camion bélier derrière le rocher. D'autres rochers droit devant. Lequel est le plus gros? Oui, c'est celui-là. C'est raté, le camion bélier. Encore plus de rochers! Vite! Lequel est le plus gros? Oui! Tu as trouvé! Tu m'as raté! Il ne reste plus que ces quatre rochers! Lequel est le plus gros? Celui-là! Bravo! Regarde, Blaze! C'est la grotte où se trouve Darrington! Super! On va le chercher. Il faut trouver une solution pour faire fondre la glace. Oui, et pour la faire fondre, il faut qu'on la réchauffe d'une manière ou d'une autre. Je sais. Ce qu'il faut faire, c'est faire fondre la glace avec un souffle d'air brûlant. Est-ce que tu connais un appareil qui peut souffler de l'air chaud? Un sèche-cheveux. J'adore cette idée. C'est parti. Aide-moi à me transformer en sèche-cheveux géant. Déjà, j'ai besoin d'un radiateur pour que l'air à l'intérieur du sèche-cheveux devienne très chaud. Pour en fabriquer un, dis radiateur. Radiateur. Parfait. Maintenant, il faut expulser l'air à l'extérieur. Et pour faire ça, il nous faut un ventilateur et un moteur pour le faire tourner. Pour fabriquer le moteur, crie moteur. Moteur. Et pour fabriquer le ventilateur, crie ventilateur. Ventilateur! Génial! Tu m'as transformé en super sèche-cheveux géant Monster Machine! Wow! Tu es super cool, Blaze! Accroche-toi, Darrington. Ce sèche-cheveux est en train de s'échauffer et il va tout déchirer! Je me demande ce que ça peut être. Non, Darrington, fais attention. Oh, Max. Tiens bon, Darrington. Ouh. Merci, Blaze. Oh, oh, cet appareil continue à faire des fissures. Bon, allez, on se dépêche. Oh, oh, cette fissure se rapproche de nous! Il faut qu'on aille plus vite! Accélération! Activation de la visière. Pour aller plus vite que la fissure, il faut qu'on aille au moins jusqu'à ce nombre. 13. Pour le moment, le compteur de vitesse nous dit qu'on est à 8. Est-ce qu'on va assez vite? Non! Il faut qu'on accélère! Oh! Compte jusqu'à 13 avec nous! On commence à 8! 8, 9, 10, 11, 12 et 13!
Le déclencheur de tremblement de terre vient de déclencher une autre fissure et elle avance encore plus vite. Pour s'éloigner de cette fissure, le compteur de vitesse nous dit qu'il faut atteindre le nombre 20. En ce moment, nous sommes à 13. Est-ce qu'on va assez vite? Non! Vite! La fissure se rapproche! Aide-nous à accélérer jusqu'à 20. Compte avec nous. On commence à 13. 13! 14! 15! 16! 17! 18! 19! Et 20! Oh ouais! Tous en route pour le looping géant! Bien, mon équipage, le vent souffle dans ce sens-là. Alors faisons pivoter la voile. À vos ordres, Capitaine Blaze. Pour ça, tirons la corde qu'on appelle l'écoute. Salut, moi c'est Blaze. Et lui, c'est mon meilleur pote AJ. Salut. On se fait une petite balade en mer sur un voilier avec nos amis Gabby et Stripes. Plutôt cool, hein? Ce bateau est fabuleux. C'est vrai, Blaze. Et comment tu fais pour le faire aller aussi vite? Eh bien, si le voilier va aussi vite, c'est parce qu'il est poussé par le vent. Le vent? Oui. Il utilise la force du vent. Le vent a le pouvoir de pousser les choses. Regardez. Quand le vent souffle ainsi dans la voile, cela pousse en avant notre bateau sur les flots. On parle de la force du vent. La force du vent? Ah, ça me plaît. Il fait gonfler les voiles des voiliers et t'emmène là où tu veux voyager. Cette légère brise qui te rafraîchit, ce cerf-volant qui te rend tout petit. C'est comme oh oh oh, une puissante énergie oh oh oh. Je sais que tu me suis. Force, 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 la force du vent. Wow. Force, 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 la force du vent. Tu seras soufflé par la force. Les éoliennes et les moulins se déchaînent. Force, 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 la force du vent. Le mât se trouve quelque part par là. Tu te souviens? Le mât de notre bateau est orange et a la forme d'une grande perche. Où se cache le mât? Oui, le voilà, sur la falaise qui se trouve de l'autre côté. Oh! Comment on va s'y prendre pour y aller sans tomber dans cette mare toute gluante? Moi, je peux y arriver. Je suis très doué pour faire des sauts. Je n'aurai qu'à sauter de rocher en rocher. Jugez plutôt. Griffe du tigre. Oh non, j'ai pas réussi. Je glisse sur l'herbe. Tiens bon, Stripes. C'est bon, je t'ai. Est-ce que ça va, Stripes? Oui, mais... Je sais que j'aurais pu le faire si j'avais eu un peu plus de puissance. Je sais. Stripes, tu pourrais te servir de la force du vent. Si tu attends le moment où le vent soufflera dans ton dos, sa force te poussera et ça t'aidera à sauter bien plus loin. Ah, ça me plaît. Mais par contre, comment je saurais si le vent souffle suffisamment vite? Ceci va nous le dire. Ceci est un anémomètre. Cet objet mesure à quelle vitesse souffle le vent. Et plus vite soufflera le vent, plus il aura de force pour te pousser vers l'avant. Pour le moment, ça dit que la vitesse du vent est égale à 2. Mais pour que Stripes saute sur le rocher, la vitesse du vent doit monter jusqu'à 6. Avertissons Stripes quand le vent atteindra 6. Compte jusqu'à 6 avec nous. Commence à 2. 2 3 4 5 6. Dis à Stripes de sauter. Dis saute Stripes. Saute Stripes. Oh, cette fois j'ai réussi. J'ai senti que le vent me poussait dans le dos. Oh, mais le rocher suivant est vraiment très éloigné. Pour qu'il réussisse ce saut, Stripes va avoir besoin d'un vent plus fort pour le pousser encore plus loin. Pour atteindre l'autre rocher, il doit sauter quand la vitesse du vent atteindra 10. Compte jusqu'à 10 avec nous. Commence à 6. 6 7 8 9 10. Maintenant, crie « Saute Stripes ». Saute Stripes.
joué! Il ne reste plus qu'un saut à faire et il y est. Les gars, je m'aperçois que c'est le plus grand saut qu'il reste. Et je n'ai pas du tout l'intention de tomber dans la mare aux bulles gluantes. Ne t'en fais pas, mon pote. On va t'aider à y arriver. Stripes a besoin que le vent le pousse plus loin que la dernière fois. Pour se retrouver de l'autre côté, il faut qu'il saute au moment où la vitesse du vent arrive à 16. Compte jusqu'à 16 avec nous. Commence à 10. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Dis, saute, Stripes. Saute, Stripes. Ça a marché. Ça y est, j'ai le mât. Yeah. T'es un champion, Stripes. Joli saut. Merci les gars. Allez, rapportons vite le mât à Gabi pour qu'elle puisse le remettre en place sur le voilier. Bon alors, tenez-le bien droit pendant que je le fixe comme il faut. Voilà qui est fait. Il est comme neuf. On n'a plus qu'à replacer ces deux parties. D'abord l'écoute, puis la voile. Et notre bateau sera réparé. Allez, venez, partons maintenant à la recherche de l'écoute. Ma visière me dit que le singe a glissé sur la liane qui dessine deux boucles. Laquelle de ces lianes fait deux boucles? Celle-là, oui. Viens, Blaze, c'est par là. Là, devant, notre singe. C'est bon. Nom d'une durite, un autre choix à faire. Quel chemin le singe a-t-il pris cette fois, AJ? Cette fois-ci, le singe a glissé le long de la liane qui fait une boucle et un zigzag. Quelle liane fait une boucle et un zigzag? La liane qui est là. Alors c'est parti. Le singe est ici avec notre corde. Oh, il a l'air triste. Oui, il essaie d'attraper quelque chose qui est en bas, mais il ne peut pas l'atteindre. Il s'agit de sa banane. Ne t'en fais surtout pas, on va t'aider à la récupérer, cette banane. Tu es prêt, Jay? Je suis prêt. Je l'ai. Tiens, la voilà, mon jeune ami. Oh, c'est tout naturel. Maintenant, est-ce qu'on peut récupérer les coudes de notre voilier? Il nous la faut pour notre bateau. Je te remercie. Bien, allons vite rapporter cette corde à Gabi. Gabi, Stripes, on a les coudes de notre voilier. Génial. Vous avez fait du très bon travail. On va pouvoir la rattacher sur le bateau. Voilà, l'écoute est à nouveau en place. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste plus qu'une partie à retrouver. La voile. Elle permettra au voilier d'avancer grâce au vent. Blaze, regarde, c'est notre voile. Nom d'un écrou, elle est emportée par le vent. Tu viens? Pour rattraper cette voile, on aura besoin de l'aide de tout le monde. Il faut que vous arriviez au sommet de cette montagne avant lui. Hé, mais je sais! On arrivera à monter là-haut super vite si on se sert de la force du vent. Utilisons un cerf-volant. Les cerfs-volants utilisent le vent pour monter haut dans le ciel. Fabriquons un cerf-volant pour qu'on puisse voler et récupérer cette voile. D'abord, il me faut un fil de retenue. C'est ce long fil qui te permet de contrôler où va le cerf-volant. Pour le faire apparaître, dis « fil de retenue ». Fil de retenue. Génial! Ensuite, il nous faut une bobine pour ajuster la hauteur à laquelle le cerf-volant ira. Pour la faire apparaître, dis « bobine ». Bobine! Et pour donner au cerf-volant sa forme, il nous faut une armature. Dis « armature ». Armature! Et pour compléter cet équipement, il nous faut une voilure qui va permettre au vent d'avoir une surface à pousser.
dis voilure. Voilure. T'as vu ça? Je suis un cerf-volant Monster Machine. Wouhou! T'as fabriqué un super cerf-volant, Blaze. Merci, les amis. Allez, attrapez cette bobine. Ce cerf-volant est prêt à voler. Wow, ouais! Ça fonctionne! Le vent te pousse de plus en plus haut. Wouhou! Yeah! Jolie figure, Blaze! Voilà qui est fait! Cette voile m'appartient pour de bon! Non, salut! C'est Blaze le cerf-volant! Blaze le quoi? Bon! Aïe, oui, aïe, aïe! Oh! On a récupéré la voile! Bien joué! Maintenant, les amis, ramenez-nous au sol! Ah, c'était vraiment géant! Merci! Allons vite installer cette voile sur le mât de notre bateau afin de repartir à la maison. Et voilà! Notre bateau est réparé! C'est du beau travail, Gabi! Ouais, maintenant on va pouvoir rentrer à Motor City! Oh non! Ces rochers géants nous bouchent le passage! Nom d'une durite! Ils ne veulent pas bouger! Il faut absolument trouver une solution à ce problème ou nous serons exclus de la course! Pas de soucis, coéquipier! Je peux vous aider! Oh! Pickle? Mais qu'est-ce que tu fais là-haut? Je vais me lancer avec cette liane et écraser les rochers! Non! Yo, 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 yo. Est-ce que Pickle a détruit les rochers? Non, mais c'était bien tenté. Je comprends pas. Pourquoi ça n'a pas marché, Blaze? Eh bien, pour détruire ces rochers, il te faut plus de masse. De masse? Oui! La masse, c'est toutes les choses qui te rendent lourd. Mais regarde! Pour le moment, Pickle n'a pas grand-chose dans son coffre. Que de l'air. Et ça ne pèse pas très lourd. Mais nous pouvons augmenter la masse de Pickle en mettant quelque chose de lourd dans son coffre. Comme... ces briques! Oh! Oh oui! Regardez-moi! J'ai beaucoup plus de masse maintenant! Très bien, Pickle! Essaie de frapper ces rochers maintenant que tu es plein de choses lourdes! Et voilà! Voyons ce que je peux faire maintenant que j'ai beaucoup de... Est-ce que Pickle a détruit les rochers? Ouais! Il a réussi! J'ai réussi? Je veux dire... Wow! J'ai réussi! Nous avons trouvé la solution! Quand on a plus de masse, il est plus facile de détruire les choses! Bien joué, Pickle! Tu nous as bien aidés! Oh, c'est normal. Je n'ai fait que ce que font les coéquipiers, voyez-vous. Les coéquipiers doivent toujours s'entraider. Maintenant, allons-y. Il faut rattraper les autres concurrents. Regarde, juste devant, c'est l'équipe violette. Allez, Pickle, si on agit ensemble, on peut réussir à les dépasser. Utilisons ma visière pour savoir à quelle vitesse il faut aller pour dépasser l'équipe violette. Activation de la visière. Ma visière indique que l'équipe violette roule à la vitesse de 3. Pour les dépasser, ils nous font un chiffre plus grand que 3. Quel chiffre est supérieur à 3? 2 ou 5? 5! Exact! Allez, Pickle! Accélérons jusqu'à 5! Oui! Regardez-moi! Je roule à 5! Bien joué, Pickle! On a réussi! Oh, regarde! C'est l'équipe jaune! Je voudrais bien les dépasser aussi! Il est indiqué qu'ils roulent à la vitesse de 6. Donc pour les dépasser, il nous faut un chiffre plus grand que 6. Quel chiffre est supérieur à 6? 4 ou 9? 9, oui! Accroche-toi, Pickle! On va rouler à 9! Wahoo! Ça y est, on les a dépassés! Oh, merci de m'avoir aidé à rouler aussi vite!
c'est ce que font les coéquipiers, tu te souviens? Les coéquipiers doivent toujours s'entraîner. Allons-y. Ils ne gagneront pas la course s'ils sont aplatis par des boules de fromage géantes. Non, d'une durite. Attention, Pickle. Oh là là, c'est passé vraiment près. Ces boules de fromage géantes doivent avoir beaucoup de masse. Pickle a raison. Si on ne fait pas attention, ces boules de fromage pourraient nous écraser. Je viens d'avoir une idée. Construisons un rouleau compresseur. Un rouleau compresseur a un gros tambour roulant qui est super lourd. Il a beaucoup plus de masse que ses boules de fromage. Et avec plus de masse, il peut aplatir les boules de fromage. Allez, fabriquons toutes les pièces pour me transformer en rouleau compresseur. Quoi? Un rouleau compresseur? Ça, je demande à voir. D'abord, il me faut une fourche pivotante pour tenir le rouleau en place. Pour en fabriquer une, crie fourche pivotante. Fourche pivotante. Bien. Ensuite, j'ai besoin d'un axe pour faire tourner le rouleau autour. Dis axe. Axe. Oui. Et maintenant, pour finir, j'ai besoin d'un gros tambour roulant pour écraser les choses. Crie tambour roulant. Tambour roulant. Et voilà. On m'a transformé en rouleau compresseur Monster Machine. Wow. Oh là 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 là, je n'aimerais pas être une boule de fromage sur ton passage. En route l'équipe, on va rouler. Quand tu vois une boule de fromage géante rouler par ici, crie, écrase-la. Écrase-la. Merci, mais il y a encore du fromage qui risque d'arriver. Garde les yeux ouverts et tiens-toi prêt. À chaque fois que tu verras une boule de fromage, crie, écrase-la. 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 Et voilà! Terminé, les boules de fromage géantes! Et Pickle! Oh! Quoi? Oh non! Plus vite! Plus vite! Activation de la visière! L'équipe de Crusher roule à 16! Pour aller plus vite que Crusher et battre son équipe sur la ligne d'arrivée, il nous faut un nombre plus grand que 16! Quel nombre est plus grand que 16? 10 ou 20? 20! Et c'est parti! Ah, je suis jamais allé aussi vite! Et j'adore ça! Et les vainqueurs sont Blaze et Pickle!